la filière brésilienne, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils prenaient les mecs au Brésil, mais directement au pays. C'est-à-dire, Cris, Juninho et Nilson, qu'est-ce que ça passe, ont tous été recrutés au Brésil, et ça marchait très bien. Alors, j'avais posé la question à Olas l'an dernier, quand je l'avais interviewé pour Panetton, j'avais dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette filière au Brésil? Comment ça se fait que vous avez pu trouver des joueurs là-bas? Alors, lui, il avait évoqué un argument, c'était la tierce propriété, le fait que beaucoup de joueurs en Amérique du Sud sont partiellement ou en totalité appartiennent à des fonds d'investissement, et il expliquait qu'en France c'est vraiment compliqué parce que déjà c'est interdit et puis ça crée beaucoup de problèmes sur le marché des transferts. Alors... quand tu regardes Nancy, t'es là, tu regardes, tu fais ouais. Bon, enfin, il fait. Et comme Pablo Correa, il assume, et c'est bien parce que Correa, il assume tout ce qu'il fait. Ouais, bah oui. C'est ça qui est formidable chez lui. Il assume ce qu'il. En plus, c'est un mec vachement agréable quand tu parles avec lui. Avec cet effectif-là, tu voudrais qu'il te vende. Il peut pas te vendre autre chose. Il peut essayer. Il peut pas te vendre autre chose. Il est pas con non plus. Enfin bon. Enfin, quand le fait. Voilà, il assume son truc et donc il finit par me faire rire. Mais c'est sûr que je préfère le jeu de Nantes 100 fois. Quand il a commencé à percer vraiment avec Leicester, tout le monde nous disait « Ouais, qu'est-ce que vous en faites ? Vous en faites des tonnes sur N'Golo Kanté. » Et mine de rien, après, il est devenu international français. Il n'a pas vraiment déçu sous les couleurs des Bleus. Et il est de mieux en mieux, il est de meilleur en meilleur. Et je peux vous garantir que, en ce moment, si tu fais le vote en Angleterre, il est footballeur de l'année. C'est ton coup de gueule du soir. Nous, on a Lacazette qui a fait à peu près la même chose hier. Hein, parce qu'il a dit, c'est pas des exemples. Tu sais qu'on n'en a pas parlé de il ça. Il a dit mais c'est terrible, sur Canal, avant le match, il va falloir qu'on aille voir ailleurs l'été prochain. T'as la semaine du derby, tu dis, bon, l'été prochain, je vais aller voir ailleurs. Putain, là, pareil, c'est pas normal. C'est pas ça qui va l'aider nécessairement à trouver un nouveau club. Soyons. Je sais pas, oui, t'as raison. On est tous d'accord avec Lorto là-dessus. On a tous des cas dans nos championnats respectifs. Et c'est énervant. Quand on voit Isco, là, qui fait ce qu'il fait avec le Real en ce moment. C'est lamentable alors qu'il est, soutenu par son entraîneur, alors que Zidane l'a pris entre quatre yeux, l'a fait monter dans les tours comme il dit, en lui disant qu'il avait beaucoup de talent, qu'il pouvait exploser au Real, etc. Ces mecs-là, ils font deux matchs sur le banc, ils commencent à faire des déclarations dans la presse. C'est tout simplement insupportable.